aujourd'hui, on se retrouve dans une salle de bain géante. Et dans cette salle de bain, on y retrouve plein de personnages qu'on connaît très très bien. Nous avons du Poppy Playtime, du Zoonomaly, de l'Among Us mélangé au Poppy Playtime, des Rainbow Friends, les Garten of Bonbon version zombie et plein d'autres. J'ai même ramené des lions, des léopards, des tigres et des ours. Restez bien jusqu'à la fin, aujourd'hui on va les déranger pendant leur petite baignade, n'est-ce pas mon petit Dog Day? Un objectif de 2500 likes sous cette vidéo. Cette partie, on va commencer par visiter la map en contrôlant Smiling Critters Catnap. Ouh, ok, attendez, ils sautent super haut. Alors attendez, nous avons aussi Miss Daylight. Attendez, Miss Daylight est complètement enchaînée. Elle est enchaînée avec Catnap et Evil Huggy Wuggy. Bon, on s'occupera de vous plus tard, les gars, allez. Il y a même un trou de souris, regardez. Il y a un appartement de souris à l'intérieur. Trop stylé. Attendez, il y a même un passage ici. Oh, qui me fait monter tout en haut. Attendez, ça me ramène où? Ça me ramène dans les placards de la salle de bain. Ok. En fait, on peut se balader partout dans la salle de bain, même dans les placards et tout. Et vraiment, je pense qu'on va bien s'amuser ici. Vous allez voir, ça va être trop bien. Ok, allez, on commence par qui? Les Smiling Critters. Là, nous avons Booba, l'éléphant. Comment il va, notre très cher Booba? Tiens, prends-toi ça dans la tronche, Booba. Là, nous avons Piggy Pig, des Smiling Critters. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Mais en tout cas, on va le dégommer. Et Plushy Chicken, regardez-le, il est trop trop mignon. Vraiment, dites-moi dans les commentaires votre Smiling Critters préféré. Et les trois sont morts de la même façon. Ok, trop bizarre. Nous avons le lapin des Smiling Critters. Tiens, prends-toi ça. Oh, la licorne. Et pour moi, la licorne, c'est le Smiling Critters le plus beau de tous les Smiling Critters. Vous me dites dans le commentaire votre préféré. Et là, nous avons le bear, l'ours rouge. Ok, voilà. Par contre, les trois sont rentrés dans le placard. Bon, au moins, vous serez bien cachés là. Avant de s'attaquer aux autres Poppy Playtime, j'aimerais bien m'attaquer au Zoonomaly qui se trouve ici. Nous avons quelques animaux et j'aimerais bien les transformer un petit peu. Lui, nous allons le transformer en eau. Waouh, regardez, nous l'avons transformé en eau. Dog Day. On va le transformer en radioactivité. Eh les potes, il est trop trop stylé. Eh, prends-toi ça, Dog Day. Tout. Et toi aussi, l'eau. Pou. Voilà. Oh, t'es sûr que ça va? En quoi je vais bien vous transformer, vous trois? Toi, tu vas te transformer en feu. Voilà, brûle en enfer. Super. Attends. Tu brûles. Hop là. Feu. On le met dans le lavabo. Ah, dans le lavabo, je pense qu'il sera beaucoup. Comment ça y a encore du feu dans le lavabo? C'est trop bizarre. Et toi, on va te transformer en arc-en-ciel. Waouh. Eh mais attendez, l'arc-en-ciel est trop stylé. Ok, le pote, eh, ça fait un petit peu mal aux yeux, mais vraiment, il mérite d'aller aux toilettes, lui. Allez, tu vas aller au trou des toilettes. Il reste celui-là. Boum. Waouh. On l'a transformé en version Galaxy. Notez la meilleure transformation dans les commentaires. En tout cas, toi, pou, dans la tronche. Comment ça? Tout. Voilà. Toi aussi, le feu. Tu vas mourir dans l'eau. Super. Et toi là-bas, on va te laisser faire la fête encore quelques temps. Cette fois-ci, on passe au Miss Daylight. Ok, nous avons Miss Daylight version zombie qui vient de sortir de sa tombe. Nous avons la Miss Daylight du jeu officiel qui est totalement belle, si on peut dire ça. Et la Miss Daylight version mutant avec la robe toute déchirée. Qu'elle est toute pourrie, on dirait clairement Dog Day. Et pour les Miss Daylight, moi je propose qu'on les pousse. Boum, voilà, tombé tout en bas les Miss Daylight. On ira les voir après. Toi, on va voir ta chute. Boum. Rien de cassé, j'espère. Ok. Et pour toi, alors attention, boum. T'es pas tombé. Elle est tombée au ralenti comme un espèce de zombie. Maintenant, on s'occupe des Rainbow Friends. Regardez, on en a pas beaucoup. Nous avons Blue des Rainbow Friends qui est là. On va lui mettre un coup de pied et il va tomber dans l'eau. Voilà, une petite douche, ça ne te fera pas de mal. T'inquiète pas. Ensuite, nous avons Green des Rainbow Friends. Lui, je vous le rappelle qu'il est aveugle. C'est pour ça que ses yeux sont gris. Boum, dans la tronche. Ah bah il a disparu, d'accord. Et on finit avec le fantôme des Rainbow Friends. Boum. Et je le désintègre. Bon, lui, on pouvait s'en douter un petit peu. Dans les toilettes, nous avons pas mal de choses. Ok, oh, j'ai complètement oublié son prénom. Dites-le moi dans les commentaires comment il s'appelle. Je sais qu'elle fait partie d'un jeu horreur Roblox. En tout cas, boum, on lui tire dans ses dents. Boum, voilà. Ah, regardez-le, il flotte dans l'eau.
Oh, c'est trop stylé. Ok, au moins tu vas faire la fête avec lui là. T'inquiète pas, je t'ai pas oublié. On va s'occuper de toi juste après. Ici, nous avons quelques nouveaux animaux des eaux de Zoonomali. Nous avons le rhinocéros. Le rhinocéros, boum. On le pousse. Attention, est-ce qu'il va tomber dans les toilettes? Oui, 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 il tombe dans les toilettes en plein dans le mille. Allez, le cheval, tu vas le suivre. Boum. Oh non. Non, le cheval. Ah, j'ai pas réussi à viser dans le trou, malheureusement. Là, c'est... Ah! Pardon? What? Je suis rentré dans le truc des toilettes. Ok, je ne savais pas qu'on pouvait rentrer dedans. C'est trop stylé. Est-ce qu'on peut tirer la chasse d'eau? Non! On peut tirer la chasse d'eau! Oh, incroyable! Cette fois-ci, c'est le tour au cochon. Le petit cochon, allez, Piggy! Boum! Il est pas tombé? Allez, cochon, plouf! Dans l'eau! Alors, allez, tu tombes dans l'eau, cochon, voilà! Et on finit dès à présent avec le lion Zoonomali. Allez, lion, boum! Ok, il est tombé, mais pas dans les toilettes. Ce que je vous propose, c'est que tous ceux qu'on a éliminés, on les mette dans les toilettes. Voilà, on va tous les mettre dans les toilettes à la fin. Et à la fin, je pense que les toilettes seront totalement bouchées. Attendez, on a qui d'autre? Lui, c'est qui déjà? Lui, c'est le lion. Oui, lui, c'est le lion. On va le mettre là. Oh! Ok, Miss Delight. Ok, on a une petite place pour Miss Delight. On a aussi une petite place pour Smiling Critters Catnap. On les met tous à l'intérieur. Nickel! Les trois Smiling Critters qui sont là, bon, on va pas les laisser pendre ici. On va les mettre aussi dans les toilettes. Et à la fin de la vidéo, on tirera la chasse pour voir ce qu'il va se produire. Du coup, restez bien jusqu'à la fin. Qui sont les prochains? Je crois que dans la baignoire, les Among Us ont envie de se baigner. Allez, ok, Booba l'éléphant, il tombe en premier dans l'eau. Par contre, c'est dommage que eux, ils ne flottent pas. Allez, Catnap, en plus, il y a ton papa juste derrière. Là, nous avons Catnap Grey, la version mutante de Catnap. Dog Day, bien évidemment. Notre très cher Huggy Wuggy. Bah, bien sûr, on ne peut pas l'oublier, celui-là. Quoi? Non! Non, j'ai tué le boss des Zoonomali sans faire exprès! Non! Bon, bah, au moins, ça, ce sera déjà fait. Bon, allez, cette fois-ci, on se loupe pas. Boum, 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 Huggy Wuggy. Miss Delight. Et la petite Poppy, boum, boum, dans ta tronche. De ce côté, nous avons Dog Day, mais version Miss Delight. Elle est trop bien faite. Nous avons aussi Catnap, version Miss Delight. On n'a rien à dire, elle est trop bien faite. Et pour finir, nous avons Dog Day, version Miss Delight, mais version squelette. Voilà. Et ensuite, quelques animaux de Zoonomali. Ce que je vais faire, c'est que je vais les transformer en Lego. C'est parti, boum! Waouh, trop bien faite. Et toi? Oh, regardez, toute sa robe est devenue toute jaune. On va tester avec toi aussi. Oh, regardez ses cheveux, c'est des Lego. Ah, c'est trop bien fait. Ok, vous trois. Oh, waouh. Elle est pote. Dites-moi dans les commentaires, c'est lequel votre préféré? Attendez, lui, il a zéro couleur, il est tout jaune. Mais il est toujours aussi triste. Eh, vraiment, c'est incroyable. Bon, allez, vous allez pas esquiver pour autant. Poum, poum. Oh, quand on leur tire dessus, ça fait... Oh, what? Ça fait tomber des Lego? Allez, donnez-moi plein de Lego, plein de Lego! Je veux plein de Lego! Des Lego, des Lego, des Lego! Attendez, je crois que quand ils sont en Lego, ils ont beaucoup plus de vie. Ils sont beaucoup plus solides qu'avant. Attendez, mais c'est une blague. Depuis tout à l'heure, j'essaie de les faire mourir, mais ils ne veulent pas. Et en plus, il faut que de faire caca des Lego. Ils ne veulent pas mourir. Attends, mais c'est une blague. Attends, mais c'est quoi? Bah, pour la peine, vous allez aller dans les toilettes, ok? Allez, voilà, noyez-vous dans l'eau, ok? Voilà, toi aussi, tous les Lego. Oh, attendez, mais ils sont indestructibles. Ils mettent plein de Lego dans les toilettes. Bon, allez, toi, je pense que tu vas mourir. Toi, allez, hop là, allez, tombe dans l'eau. Tu nous faisais trop de lumière. Nous avons aussi Titan Catnap Small. Voilà, c'est le nouveau monstre des Poppy Playtime. Et bien évidemment, Dog Day Mutant. Voilà, ils ne sont pas comme d'habitude. C'est pour ça qu'on les appelle les mutants. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour la session de coup de pied? Boum! Allez, tombez. Oh, attendez, oh, presque on a... Attendez, on va essayer de faire tomber Huggy Wuggy dans les toilettes. On essaie de bien viser. Boum! Ah non, c'est pas possible. Toi, peut-être? Le hot dog Huggy Wuggy? Et là, nous avons le Huggy Wuggy le plus musclé de tous les temps. Ok, ok, dans les fesses, boum. Allez, tombe, tombe. Et là, nous avons le Groot. Voilà, c'est clairement le Groot, mais version Huggy Wuggy. Et regardez, il a un œuf sur l'épaule. Trop bien. Boum, dans tes branches. Voilà. Elle est pote, vraiment, on gère bien. Et comme d'habitude, dès qu'ils sont morts, on les met dans les toilettes. Parce que je vous rappelle qu'à la fin, on tirera la chasse d'eau. Allez, Dog Day, tu tombes toi aussi dans les toilettes. Attendez, je crois que les toilettes débordent un petit peu. Hein. Hop là, tout le monde dans les toilettes. Go, 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 Power Rangers. Super, et même Titan Catnap.
Ok, bon, les toilettes commencent à être vachement remplies, hein. Dès à présent, il nous reste Catnap et Dog Day qui sont dans leur bain. Et je vous propose que dès maintenant, on commence à les embêter. Comment les embêter, vous me direz? Je pense qu'on va commencer par les transformer. Catnap, tu vas te transformer en fantôme. Attention, boum! Oh! Waouh! On a un Catnap fantôme. Regardez-le. What? Non, 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 non! Le Catnap est en train de tuer tout le monde. Non, les esprits sont en train de tuer tous les animaux. Non, bouge, bouge, esprit. Esprit malveillant. Vite, faut s'occuper de Catnap. Meurs, meurs, Catnap. Meurs, meurs. Catnap. Il est en train de tuer tout le monde. Non, 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 Catnap. Meurs, Catnap. Boum. Voilà. Oh non, le pauvre, il a fait un carnage. Ok, il reste un lion en vie. Par contre, tout le reste sont morts. Non. Il reste quand même deux jaguars. Boum. Ok, les potes, on va les dégommer, les jaguars. Le lion. Ah ouais, il est bien fait, le lion. Boum. Ok, dans la tronche, le lion. Et nous avons aussi Catnap version Dog Day. Voilà, c'est le Catnap, mais sans jambes. Pium. Voilà. Hop là, les tous dans le trou, tous dans l'eau. À ton tour, mon petit Dog Day. Et c'est parti pour la transformation. Pouf. Oh, on l'a transformé en espèce d'esprit tout blanc. Ses yeux sont tout noirs. Allez potes, notez sur 10 dans les commentaires sa transformation. En tout cas, il a pas trop envie de sortir de l'eau. Est-ce qu'il craint les pistolets? Attention, oui. Yes. On l'a dégommé et il se retrouve au fond de la baignoire. On finit dès à présent avec les Garden of Banban. On commence par Bambolina, version zombie. Voilà, regardez-la, contemplez-la. Ouais, elle fait très très flipper, mais tu tombes dans le trou. Voilà. Ensuite, nous avons Bamban, version zombie. On dirait clairement le diable avec ses yeux tout rouges. Boum! Dans les toilettes. Là, c'est le capitaine Fiddles. Il a une bouche derrière son dos. Très stylé, mais il meurt quand même. Le boss de Garden of Banban, Jumbo Josh. Il est là. Et version zombie, il fait flipper. Il a des épines sur le dos. Il a une très grosse bouche, une tête un petit peu déformée. Hein. Allez, Jumbo, tu m'en voudras pas. Oh, Jumbo, tu vas dans l'eau, Jumbo. Bon, Jumbo, tu vas pas dans l'eau. L'avant-dernière, c'est Hopi la Bird. On la connaît très bien, Hopi la Bird. Pouf, dans l'eau. Oh, il y a plein de trucs dans l'eau, hein. Et on finit avec Stinger Flynn. Regardez, il a des bouches sur les côtés. Très, très stylé aussi, il a qu'un seul œil. Je vais voir un petit peu qu'est-ce qu'il a en bas. Ouais, ok, c'est une espèce de méduse, en tout cas. Plouf, voilà. Et ensuite, pour ces trois-là, là, je pense que je vais les mettre dans la baignoire. Voilà, allez, vous allez vous faire une petite baignade. Ça va vous faire le plus grand bien. C'est déjà la fin de la vidéo, les potes. Voilà, nous avons dégommé tous les Smiling Critters, les Poppy Playtime, les Anomalies. On les a tous mis dedans. Regardez-les, ils sont tous dans l'eau, hein. Ok, bon, on essaie de tirer la chasse. Alors, on va essayer de tirer la chasse pour voir ce que ça fait. Attention, on tire la chasse d'eau. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va en aspirer? Non, ça a l'air de rien faire. Abonne-toi à la chaîne YouTube si tu veux plus de vidéos de ce style-là. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre transformation préférée et surtout votre personnage préféré. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Soutrash. Ciao les potes.